السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مركزكم مركز النور مدينة ميدوز فرنسا في تقرير تقدم الأشغال شهر أبريل سنة 2016. Bonjour, je me présente Antoine Rinaldi. Je suis le responsable de la société Real Bâti. Donc je m'occupe de la partie coordination de travaux. Et en annexe, nous avons aussi une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour aider le maître d'ouvrage à maintenir ses objectifs qualitatifs, organisationnels et surtout financiers. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à un stade de travaux fin des travaux de gros œuvres. Comme vous pourrez le constater, le chantier se termine ici au niveau du deuxième étage avec la fin des travaux du gros œuvre. Dans le niveau inférieur, donc au premier étage, nous sommes en phase distribution technique pour les lots électricité, chauffage, ventilation. Et nous réalisons actuellement, depuis quelques jours, au rez-de-chaussée, la pose des menuiseries extérieures. Je tiens aussi à rajouter que je suis très fier de reprendre le chantier pour le compte du maître d'ouvrage et que nous allons tous ensemble maintenir les objectifs pour que début d'année prochaine, le chantier soit terminé. En termes d'avancement, le gros œuvre aujourd'hui est à 82% d'avancement pour être précis. Donc la phase intéressante que nous allons vivre également, qui représente les 18% restants, ce sont la pose des éléments de façade préfabriquée en béton blanc, originel, avec des ouvrages menuisiers de qualité. Là. Donc ici vous êtes donc sur le site de la société BCS Préfabrication, une filiale à 100% dont je suis le patron de Guérardi, et vous êtes en face des premiers ferraillages qui vont constituer l'arborescence de la mosquée. Donc on voit déjà ici la forme des arbres, donc la prouesse technique sur les arbres, c'est de vouloir les faire en une seule fois. C'est-à-dire qu'on va avoir des arbres, comme vous voyez là, du tronc jusqu'aux branches, qui font faire à peu près 12 mètres de long. Donc ça va être une prouesse technique. Donc là vous voyez le ferraillage qui est la première phase, et ensuite la deuxième phase va être le coulage du béton à l'intérieur donc de ces cages métalliques à base d'un béton de marbre de Carrare. Donc tout le granulat et le sable provient du marbre de Carrare, donc pur, pour avoir, si vous voulez, une clarté extrême, donc pour avoir un blanc, vraiment un beau blanc de béton. Donc dans la deuxième phase qu'on va aller voir ensuite, ça va être la phase polissage. Donc une fois que le béton est coulé, on laisse sécher environ 15 jours les bétons, donc en stockage à l'intérieur chez nous de l'usine, et ensuite on les met sur la table à polissoir, le polissoir que vous allez voir ensuite travailler les bétons. On va passer de la pierre à base de magnésite. Donc on va ouvrir le béton, donc on va commencer à le polir, enlever les rayures, et une phase moyenne pour avoir une phase d'arbre. Pour polir un arbre, on a compté, il nous faudra environ 8 jours. Donc pour polir toutes les phases de l'arbre, environ 8 jours, c'est-à-dire une semaine par arbre, pour pouvoir avoir l'état final avant la pose, où toutes les pièces sont polies à l'usine. Donc ensuite, vous allez voir l'état de la brillance après polissage des différentes pièces. نحن الآن في الطابق الثاني حتى نقدم لكم آخر جزء من الشجرة المتفرعة اللي ستكون واجهة المركز كما ترون. بالنسبة لتقدم الأشغال في المركز الثقافي توصلنا إلى 70%، وطبعا كما تعلمون المركز الثقافي
يعني يحتوي على قاعة متعددة الأغراض والمعرض وصالة النشاطات وأيضا المكتبة. ننهي زيارتنا في قاعة الصلاة، وكما تلاحظون فقد بدأت أجزاء السقف المعدني تصل تباعا، وقد جمع بعضها وسترفع لتوضع في مكان مع نهاية شهر أبريل. هذا السقف المعدني سيتعلق فيه قاعة الصلاة، الطابق الأول قاعة صلاة النساء، وبذلك لن تستند على أعمدة. كما تعلمون لا يوجد أعمدة عندنا في قاعة الصلاة، وهذا ما يتيح مساحة إضافية في قاعة الصلاة الرئيسية. طبعا كما رأيتم الأشغال تتقدم بوتيرة جيدة، ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل دعائكم، وخاصة تبرعاتكم التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم. وطبعا نسألكم أن تدوموا هذا العطاء وتعطوا أكثر، حتى إن شاء الله ننهي المشروع في الوقت الذي وعدناكم، ربيع 2017 إن شاء الله.